moi c'est Johan. Voilà, rapidement je me présente. Moi, j'ai 43 ans. J'ai commencé à chasser vers l'âge de 17 ans à peu près. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que je pratique la chasse sous-marine. Mais c'est tardivement, très tardivement, que je me suis intéressé à la partie apnée. Voilà, tout ce qui va avec les méthodes, les exercices qu'on peut faire pour être plus performant en apnée. Voilà, c'est vraiment très tard que je me suis intéressé. Et surtout parce que j'ai eu l'occasion de faire un stage de 2 jours avec Guillaume Néry et Julie Gauthier il y a quelques années, qui m'a donné ce déclic. Et là, j'ai vraiment découvert l'apnée pure, voilà, sans fusil, sans couteau, sans bouée, voilà, juste masque tuba, voilà, à descendre le long d'un câble. Et voilà, et là, ça a vraiment été le déclic. Et ça m'a fait énormément progresser pour la chasse sous-marine, bien évidemment. Donc voilà, je tenais à partager ça, ces points clés qui m'ont été transmis lors de ce stage. Voilà, pour t'en profiter, et j'espère te faire, et sûrement même te faire progresser. Donc voilà, je souhaite aborder la partie ventilation, donc comment bien se ventiler avant la dernière inspiration, avant de partir en apnée. Donc voilà, pour la partie ventilation, donc je vais attaquer directement. Hein. Donc tu dois connaître peut-être la ventilation dite carrée. Donc le principe, hein, on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes, et on retient de nouveau 4 secondes. Voilà ce qui nous fait la ventilation carrée, donc 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Voilà, c'est efficace, hein, ça permet de bien se relâcher, faire redescendre le cardio avant de descendre. Et voilà, Guillaume Néry donc a développé une autre méthode voilà, qui dérive de la ventilation carrée. Donc je l'appellerai la ventilation Néry, parce que il n'y a pas de nom particulier à cette méthode. Voilà, donc je l'appellerai la ventilation Néry. Donc le principe, c'est d'inspirer, on va toujours partir sur une base de 4 secondes, hein, après c'est toi qui va ajuster la durée en fonction de ton niveau, surtout de ton aisance. Voilà, le but c'est d'être à l'aise, et de faire ça simplement en facilité, d'être à l'aise, détendu, en permanence. Donc c'est à toi d'ajuster cette durée, mais on va partir sur une moyenne de 4 secondes. Donc le but, on va inspirer 4 secondes, on va retenir sa respiration pendant 4 secondes, et là, ce qui va changer par rapport à la ventilation carrée, c'est que l'expiration va être minimum le double, donc c'est-à-dire 8 secondes, et mieux le triple, c'est-à-dire 12 secondes. Voilà. Donc, et ensuite, on retient de nouveau 4 secondes. Voilà. Après, si 4 secondes, après une longue expiration, tu as du mal, tu peux bien sûr réduire ce temps et retenir juste 2-3 secondes. Ça sera également efficace. Donc voilà, donc pour résumer, on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire. Alors c'est une expiration passive, c'est-à-dire on ne force pas pour souffler, on laisse l'air sortir en mettant la langue derrière les dents pour juste boucher le trou et laisser comme une fuite de gaz, hein, ça fait un petit soufflement. Voilà. Et on fait ça pendant, si tu peux, pendant 12 secondes. Et ensuite tu bloques de nouveau 4 secondes. Voilà, donc ça, ça fait un cycle. Donc voilà, donc je vais te faire une démonstration en vidéo que je vais commenter. Voilà. Donc c'est parti pour le premier cycle, donc inspiration de 4 secondes. Donc là on voit le ventre qui se remplit légèrement. On retient 4 secondes, la respiration. Tout en même temps on se relâche, on pense à rien, on fait le vide, expiration entre 8 et 12 secondes, donc là je vais faire 12 secondes, voilà, on met la langue entre les dents, on fait une petite fuite de gaz, un petit sifflement, et voilà, on se relâche, on fait le vide, et on retient 4 secondes, voilà, si tu peux pas, tu fais 2-3 secondes, ça marche aussi,
et on repart pour un deuxième cycle. Donc voilà, donc moi je fais ce cycle, hein, même sur la route, en allant pêcher, sur le trajet. Quand je m'équipe, je commence déjà à faire ces cycles. Je m'assois au bord de l'eau avant d'aller chasser. Et je fais ces cycles déjà pour être dans la bulle, pour être vraiment relâché, décontracté. Et comme ça, dès le début des premières apnées, on sera dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et on sera déjà préparé pour faire de bonnes apnées. Donc voilà, entraîne-toi déjà au sec. Et après, ben, essaye d'appliquer ça en mer pendant tes sessions. Donc voilà la petite vidéo de démonstration. Donc là, donc le but, là, faut vraiment, j'insiste là-dessus, c'est en permanence d'être relâché, détendu, et de faire ça facile. Voilà, faut être à l'aise. Donc ajuste la durée, ouais, si 4 secondes c'est un peu trop, bah, tu passes à 3 secondes. Si 4 secondes c'est pas assez, tu mets 5 secondes, 6 secondes, voilà, c'est toi qui dois, en fonction de ta capacité, ton aisance, qui doit trouver ton tempo. Voilà, bah, écoute, j'espère que cette première vidéo t'a plu. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions, à me mettre des commentaires une fois que tu as appliqué ces conseils. Voilà, puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour voir les prochaines vidéos. Allez, salut.